La météo, c'est pas le pire, quoi. Hein.
Eh ouais, forcément, j'ai encore coupé le micro. Re-vous deux. Alors, LF, K, J, LF, P, G, clac. Cost index, allez, je vais prendre 65. Et flight level 3 to 0. LFKJ, départure, runway 20, Londsu 5, hôtel, Londsu, Loder Waves, la UM 733, clac, jusqu'à Bulol. User joined your channel. Salut Chris. Salut Jeff, je vais faire un Ajaccio Charles de Gaulle si ça t'intéresse. Ah bah je viens de préparer un Nantes Orly en B200 et je vais décoller de Nantes là. Ah d'accord, bah je pars en 1.318. Ok. Ensuite, UZ12. Jusqu'à Pibat. Batin. Insère. Clouc. Voilà. Ensuite. Perf. Moi, je mets deux crans de volée. Ensuite, init. À bord. On a 8 tonnes 5. Voilà. Pour l'instant, on n'a plus besoin de ça. Et on va lancer la cockpit preparation checklist. Cockpit preparation checklist. Engine master. Both off. Weather radar. Power supply. Wind shear. As required. Landing gear lever. Checked. Batteries. Ah, salut Jeff, Bernard de Set retour. on. Electrical power. Salut Bernard. External power is on. APU fire test. Eh ben la météo joue des mauvais tours quand même. Checked. ECAM recall. Ah ouais. C'est vraiment pas le pied, hein. Mais bon. Checked. Flaps. Checked position. Speed brake lever. Checked retracted. Parking brake. Set. Set on. Accu-brake pressure. Set. Oxygen crew supply. Set on. Cockpit voice recorder. Set on. Ground proximity warning system. On va essayer de pas se tromper sur les lumières, on. Marc. Flight control system. On. Adhears. Set to nav. Navigation lights. Alors, navigation light, c'est Wings. Vous avez vu sur le forum, j'ai mis une vidéo, une des dernières vidéos de Flight Simulator 2020. Ouais, j'ai vu, on l'avait bon, déjà ça, vu. Je sais qu'il y a un petit bug au niveau, à ce niveau-là. Oh, elle était déjà sortie. Il va me ça dire après de passer. Ça fait longtemps, elle est sortie. Là. Cabin signs. Both on. C'est prometteur. Checked and armed. Effectivement, si on regarde bien, ça sur le forum auto. De PV. Air condition. Sound muted. Checked. Electric panel. Checked. Fuel pumps. Set on. Hydraulics. Is checked. Engine fire test. Number one. Checked. Engine two. Checked. Ventilation panel. Is checked. Anti-skid. On. Radio management panel. Allez, on allume les radios. Set on. Weather radar. Gain. Mode. Checked. Thrust levers. Idle. Engine mode selector. Alors, check 22, normal. 8, ATC.
Mode. System. Altitude reporting. Checked. TCAS. Checked standby. Oxygen mask test. Bon, il a bugué tout à l'heure là-dessus. C'est bon, il l'a fait. Checked. Pardon. On. Checklist complete. Bon, on va attendre 4 minutes. On va attendre l'alignement de la centrale inertielle. Bon, j'ai fait des tests, j'ai bien baissé les l'autogène au niveau des buildings quand je vole en IFR. On va voir ce que ça va donner tout à l'heure à l'arrivée sur Paris. J'ai descendu aussi la complexité de la scène, comme ça j'ai moins de bâtiments sur l'aéroport. Ça fait encore couper le micro. Ah, je suis fan là-dessus. Non, je suis pas doué, comme tu dis. Bon, on va remettre un peu le son sur TeamSpeak. Sound resumed. Mais voilà, messieurs. Vous étiez parti, cher ami ? Ouais, j'étais en train de faire les checklists. Quand est-ce que se refait un petit pit partagé, Jeff ? Attends, je décolle. Y'a pas une petite loupiote en plus là ? Ça aurait été cool. Voilà. Ah, c'est déjà mieux là. J'ai trouvé de la lumière. Alors, on a combien de temps ? 2 minutes avant que ça s'aligne. Du coup... On va fermer la porte déjà. Captain, the cabin is secure. All passengers are aboard. Before start checklist. Windows and doors. Closed and locked. APU. Set on. APU bleed. APU bleed, on va attendre un peu. Ça arrive. Hein? Les ronds? Ouais, ils étaient bons, hein. Pardon. On m'accuse d'avoir mangé tous les réglisses, sans déconner. Allez, Weibler. Bah quand tu veux, Chris, faut qu'on se programme ça. Mais entre les vols contrôlés, les Bahamas, hein, c'est compliqué. Bah là, tu vois, ça va me faire du bien. Pour une fois, c'est moi qui vais te contrôler. Et oui, ça, moi je connais pas. T'es jaloux, Marc ? Du coup, je sais même plus ce qu'elle a dit. Voilà, je sais même plus ce qu'elle a dit. Power.
External power, voilà. Ensuite, on va la déconnecter. Disconnected and off. Cabin signs. Both on. Thrust levers. Idle. Barrel reference. Set. 1007. 1007. Check. Beacon lights. Set on. ATC. Alors, ATC, c'est ici. C'est lequel? Auto. C'est celui-là. Alors, contrôle F12. Prépare for push and start. On va prendre Transavia, tiens. Alors, quick. Alors, la piste 20 est ici. C'est parfait. Donc là, j'ai juste à faire Y normalement. Do you want to start? No. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur TeamSpeak? Ah, quelle est belle cette photo. We are ready for pushback. Pour la pressu, tu m'as dit que tu faisais ton palier à 12 à peu près. À 12 000 pieds, ouais. Ok, et ouais, tu attends quoi. Juste. Tu attends en fait, juste. En fait, je... Tu fais rien. Non, non, je joue avec la pressurisation en fait. Locking gear. Avec le taux. C'est ça. Okay. J'aligne les deux petites aiguilles. Enfin, les deux aiguilles, okay. Tout simplement. Ok. Il vole sous quoi, toi? P3D. Ah putain, le spot, il est pas beau, hein. Non, donc, c'est Jeff qui a posté la photo. Departure check completed. Bypass bin inserted. Ah, release parking brakes. Parking brakes. Commencing push. All engines clear. Start at will. P3D aussi. Tiens, mais c'était le stall. Je vole pas si haut, moi. Ouais, plus tu montes et plus c'est dégueulasse. Hein. Oui, ça, je m'en doute. Ouais, puis là, il y a aucune scène. Hein. Et si tu prends la photo juste après avoir changé la vue, c'est pareil. Allez. Non, perdu. On démarre le moteur 2. Bah oui, faut voir quand je pose la question, c'est marqué. Elle va le répéter. Ah oui, exact, Mac, Marc. Oui, elle l'a dit. Ouais, il me semble qu'on en a, Marc. Oui, oui. Et même si on n'en avait pas, on peut t'en prendre un. C'était pas un problème, ça. Oh, il y a l'FKJ Approach qui vient de se connecter. 121.050. Starting number one. Engine 2 is stabilized. Ah, il me retape un délire comme tout à l'heure, tiens. Set parking brakes. Alors. Parking brakes are set. On va l'attendre. Hop. On va prendre un petit stylo qui nous donne plein d'informations. Ajaccio approche, bonsoir monsieur humanitaire 1302 en Airbus 78 avec vous. Tow truck disconnected. Bypass been removed. 1302, bonsoir monsieur.
Je vous rappelle, c'est l'anniversaire 13 ans. C'est bien pli, on attend votre appel pour une clairance IFR à destination de Charles de Gaulle. Engine mode selector. Check normal. APU sound resumed. Set off. APU master. Left is clear. Set right off. Is clear. Ground spoilers. Set. Rudder trim. Check zero. Pitch trim. Ça, il faut que je passe l'item à chaque fois, c'est dingue ça. Perdu. Flaps. Flaps 2. Flight controls. Pardon. Allez, on va regarder ça. Full left. Full right. Neutral. Full up. Full down. Neutral. Rudder. Ah tiens, il va pas à fond. Comment ça se fait qu'il va pas à fond? Je le débranche, je reviens. Numéro 1302, rebonsoir. Donc le départ pour Charles de Gaulle approuvé avec une longue issue. 5 hôtels pour le sud. La piste 20 en service. Le transpondeur 5601. Et le QNH 1007 sur Ajaccio, l'unité 1302. On a bien pris une longue dessus 5 hôtels, une piste 20 en service, le transpondeur 560 unité et le QNH unité 007. Et peuvent avoir un niveau de départ pour humanitaire 1302. Alors le 80 au minimum, le 110, pardon. Le 110 pour humanitaire 1302. Unité 0. Ok, donc plan de vol pour De Gaulle approuvé. Départ via Londres 5 hôtels, piste 20 en service, transpondeur 560 unité, QNH unité 007 et on monte au niveau 110 unité, unité 0 pour humanitaire 1302. C'est correct, humanitaire 1302 pour l'instant, là une légère composante vent arrière sur la piste 20, le vent, les vents actuels sont 020 pour l'huile, humanitaire 1302. Checked. On rappelle prêt au roulage pour humanitaire 1302. Copie humanitaire 1302. Hand signal. Received. Checklist complete. Que je regarde un truc, flight control. Il va pas jusqu'au bout, c'est quoi ce délire? Bon, on va voir après. Alors, on va être prêt pour le roulage. Niveau 110, on a bien rentré notre site. Le transpondeur 560 unité. Le QNH unité 007. Et je vais dire que. Alors, est-ce qu'il faut mettre ça là tout de suite? Bonne question. Marc, si t'es là, est-ce que je mets ça là tout de suite? Runway turn. Oui, ok. Nous sommes prêts au roulage pour humanitaire 1302. Il devait me rappeler, il m'a pas rappelé, Simon. Humanitaire 1302, roulé pour le point d'arrêt de la piste
Delta 20. Maya Fox et Delta. Humanitaire 13-0, rappelez point d'arrêt piste 20. Nous roulons point d'arrêt piste 20 via Foxtrot Delta pour humanitaire 13-02. On rappelle au, près au départ. Alors, je vais regarder les phases commandées en même temps. Alors, Foxtrot et Delta, donc je vais traverser la piste. Ok. Ça me choque un peu là, mon... Taxiing checklist. Exterior lights. Ouais, on va me dire encore exterior light. Bon, alors c'est pas ça qu'elle doit vouloir. Exterior lights. Si j'enlève celui-là. Checked. Ouais, il fallait que je le fasse. Brake check. Et on va essayer. Pedal pressed. Checked zero. Checked. Auto brakes. Max. Take off data. Reviewed. FCU. Checked. Flight instruments. Checked. Checked. Weather radar. Power supply. Wind shear. Checked and set. TO config. Ah, c'est à moi de faire. Set. Checklist complete. Demande autorisation de traverser la piste 20 pour humanitaire 13-02. Humanitaire 13-02, traverser la piste approuvée. Rappelez point d'arrêt, piste 20. Autorisé à traverser piste 20, nous poursuivons le taxi sur le Delta et nous rappelons au point d'attente pour humanitaire 13-02. Et non, malheureusement, Marc, c'est Guilin et il est à l'approche, ça craint. Je sais pas si t'as entendu la clairance qu'il m'a donné, mais c'était pas terrible, hein. Du coup, j'ai beaucoup moins de bâtiments au niveau des villes. Et là, je suis à... Ouais, entre 30 et 40 FPS. Merde, que j'ai fait. Voilà. Oh non, non, je sais bien, hein. Point d'arrêt Delta 2, piste 10, demande autorisation de traverser humanitaire 13-02. Merci, avion de test pour le second. Humanitaire 13-02, traverser l'ancienne piste appelée Delta et humanitaire 13-02. Nous traversons la piste et nous poursuivons le taxi. Nous rappelons point d'attente, piste 20, humanitaire 13-02. Merci beaucoup, avion de test pour le follow. Sois le bienvenu parmi nous. Est-ce que tu sais me dire combien il y a de follow sur la barre en bas, Marc, s'il te plaît? J'ai été obligé de le refaire, ça marche pas tout à l'heure. Bon bah Guilin, l'approche c'est pas terrible la phraséologie. Hein. Comment vas-tu, avion de test?
Ok, ça a bien marché alors. Merci beaucoup, Marc. J'ai pas mis les lumières dynamiques. En revanche, Simon, il est bon, hein. Oui, Simon, oui. A318. Ah, oui, avion de test. Airbus A318. Le voilà. Ah, la 320. Ok. Aerosoft aussi, avion de test. Pardon. Ouais, moi aussi, Marc, j'aime beaucoup les petits modèles. Allez, si on va mettre frein de parking. Oh, merci ma chérie. Et on va faire checklist. Flight attendant, seats for takeoff. Before takeoff checklist. Brake temperature. Checked. Brake fans. Off. Engine mode selector. Checked normal. TCAS. TARA, tilt above. Exterior lights. Alors. Exterior lights. Non, je suis sur VATSIM. Si tu vois, normalement c'est marqué en haut à gauche. Exterior lights. C'est bon, c'est marqué oh. External light. Sliding tables. Stowed. 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 Checklist complete. Ah, on est sur quel point d'attente là? J'ai pas vu. Delta. Nous sommes au point d'attente Delta après au départ pour Humanitaire 1302. Humanitaire 1302, alignez-vous. Piste 20 élévant du 020 degrés 8, mais autorisé décollage Humanitaire 1302. Du point d'attente, on s'aligne piste 20, les derniers vents sont copiés, autorisé décollage Humanitaire 1302. Alors ça, je vais demander à Marc de te répondre parce que moi je ne connais pas du tout X-Plane. Allez, Power 7. Take off, man, flex and SRS. Check. Allez. Thrust set. Checked. Check. V1, rotate. Positive climb. Gear up. Gear up. Gear up. Navigation. Check. Exterior lights. Alors, exterior light. Je coupe. Exterior lights. Celle-ci. Et celle-ci. Exterior lights. Autopilot on. Climb thrust. Gear is up. Lights off. Flaps one. Flaps speed one. Check. Flaps one.
Flaps zero. Speed check. Flaps zero. And the after takeoff checklist. Engine mode selector. Check normal. Spoilers. Set. Flaps. Check retracted. Landing gear. Gear up, lights off. Exterior lights. Checked. Check harnesses. Packs. Both on. Anti-ice. Off. TCAS. Oh, c'est la TCAS, qu'est-ce que je dois mettre? Bilo, Derrera. TCAS. Je sais plus, c'est là, non? Set. Ah, c'est all. Multimeter. 1007. 1007. Check. Checklist complete. Moi c'est pareil, sur téléphone je fais pas. Allez, on va passer. Transition altitude. Barrow reference set and cross checked. Check. Même pas de contact radar, poursuivez la montée. Il y a du boulot à faire. J'ai pas mis mon plan de vol dans Active Sky. Alors, fly plan, load. LFPG, bah, ce sera la même que tout à l'heure. Humanitaire 302 identifié à dans ah, quand même. TO 180. Humanitaire 1302. Nous poursuivons la montée vers le niveau 180, unité 8-0 pour Humanitaire 1302. Et pourquoi il me fait pas monter tout de suite au 320 au niveau de croisière? Ouais, là c'est bizarre, Marc. Off. Ouais, c'est pas trop fort le son de l'avion pour vous. Ok, nickel alors. Oh, j'ai même pas lancé, pensé à lancer solidaire. VAM. Moi, ça alors, m'est déjà arrivé. Quoi. Moi, j'ai décidé, parce que j'en ai marre aussi de me tromper, tu sais, dans le call sign. Je m'appelle plus, je me fais plus appeler solidaire, plus du tout. D'accord. Ce que je fais, juste, je lance le VAM sur le site de solidaire pour pas polluer de mes vols humanitaires. D'accord. Mais sinon, je me fais appeler humanitaire tout le temps. La dernière, j'en ai marre, j'arrête pas de me tromper, donc je préfère n'avoir qu'un seul. C'est clair, oui. Hein, voilà.
Après, je connais très bien de pour la suite, c'est sur Hélico, me surveille. De 8h. Merci d'être passé, seul Christophe, bon atterrissage, monsieur Charles de Gaulle. Bientôt, humanitaire 13-02. C'est bien noté pour la suite. Absolument, et puis t'as aussi merci Guilain pour le service. Bonne soirée, humanitaire 13-02. J'aime bien, franchement, j'aime bien. Également, humanitaire 13-02. Allez, 122-8. Alors, ensuite, ce sera LFFF-CTR. Alors, fantastique. Cent vingt-huit décimales 100. Ouais, Marc, bah je suis pareil que toi, hein, c'est un peu. J'ai été lâché par Guilain, bah dis donc, c'est pas beau le contrôle. Hein. Je bois mon petit thé. Ah, est-ce que t'as reconnu le bruit de Vatastic, Marc? Il y a l'air d'avoir du monde. 9 arrivées sur l'FPG et 3 départs. Ah oui, ça c'est ma cuillère, ouais. Je touillais mon thé, comme les petits vieux. Ouais, c'est déjà mieux les images par seconde. Ah, Jeff, tout à l'heure j'ai fait un test, je me suis posé en live sur le sur Charles de Gaulle. Que tu appelles en live? Enfin, j'étais en live sur Twitch et oui. Je me suis posé, je suis descendu à 10 images par seconde avec l'Airbus. Ah ouais? Ah, j'ai été obligé de descendre drastiquement mes réglages. Après, c'est l'IFR, on s'en fout. Ouais, après, il n'y a pas que Twitch hein, parce que l'Airbus il consomme. Hein. Ah non, je mets pas Twitch en cause, hein, c'est juste mes réglages qui étaient optimisés qui pour le VFR. Poussé. Ah ouais, oui, ok. Oui. Mais ça m'a fait bizarre. Du coup, je me suis fait un petit réglage spécialement pour la 318. Puisque le... Attends, deux secondes, allez. Deux secondes. Ouais, si j'éteins là, est-ce que ça le fait? Est-ce que c'est mieux pour vous ou je laisse la lumière? Est-ce que vous préférez comme ça ou avec un peu de lumière dans le cockpit? Je pense qu'avec un peu de lumière c'est plus joli.
je peux peut-être vous mettre ça. Tac. Ouais, tu disais, je suis bien réglé, ça y est. Je ne sais plus. Excuse. Tu parlais de réglage. Ah oui, je disais que ouais, je me suis fait des réglages spéciaux pour la 318. Ah oui. Parce que les autres IFR que je fais, donc c'est le Duke ou le B200, donc ils sont quand même beaucoup moins gourmands. Et t'as gagné en FPS en baissant tes réglages ? Oh ouais, carrément, ouais. Faudra que je le fasse. Bonsoir, monsieur. Salut, François. Salut, François. Salut, François. Comment vas-tu ? Ah oh, bah écoute, je reviens de vacances, donc ça va. Ah, tu m'étonnes. Portugal, il faisait beau, c'était bien. Bah ça va, on se refuse rien. Ah, j'étais pas parti de l'été, hein. Et du coup, j'ai beaucoup de retard. Ah bah oui. Il reste encore quelque chose à faire dans la mission humanitaire. Oui, hein. Oui, il reste plein, oui. Bon, t'inquiète, il y a du boulot. Bon alors, Demain, je vais continuer à descendre mon avion, alors. Et de toute façon, même quand il n'y en a plus, il y en a encore. Hein. Je peux en remettre. Hein. D'accord. J'ai vu une bonne nouvelle, là, pour l'audio sur votre team. Ouais, ça va être sympa, ouais. Au début, ça va être le bordel pour contrôler, parce qu'avec Euroscope, il faudra télécharger un petit logiciel à part. Du moins pour le début, quoi. Si j'ai bien compris, moi, qui suis sous Swift, ça devrait être bon sans avoir rien à faire. Ah, t'as pas eu la dernière nouvelle, alors ? Le V-Pilote, y'a rien à faire. C'est que Vatim n'autorise plus X-Plane, maintenant. T'es obligé de passer à P3D ? Ah oui, Christophe, je t'adore. Il est pas là, Eric, pour me défendre, hein. Allez, on atteint notre altitude de croisière. Et voilà. Et en fait, c'est ça que j'ai fait tout à l'heure. Ah, c'est un fibu, ouais. Moi je serais prêt à... C'est dommage, malheureusement je suis pas là ce week-end sur Paris parce qu'il y a une manifestation là dans la région parisienne. J'aurais bien aimé y assister, surtout que j'aurais pu y rencontrer visiblement Morgan et Eric. Il va falloir voler ce week-end là-bas. Mais ce week-end je vais en Angleterre, du côté de Birmingham, donc voilà. Merci Olivier. Bonne soirée à toi. Il va falloir voler là-bas chez eux. Ils ouvrent Orly, les VFR sont acceptés sur Orly. Non, c'est négatif. Le problème avec Jean, ah, ouais, c'est-à-dire ouais, c'est que c'est encore que pour les pour les autobus. Eh oui. J'ai eu peur là. Mais c'est pas mal de faire les deux, tu sais Bernard. Non. Non, jamais. Pourquoi jamais ? Faut pas dire ça. Non, si, j'ai pas si compris Marc. Sur un simul en P3D, c'est pour faire un vol en VFR le plus proche de la réalité de ce que je pourrais faire. Ça ne m'apportera strictement rien d'aller voler dans un Airbus, ça ne m'apportera strictement rien, donc j'ai pas d'intérêt pour moi. Ah, ouais, bah, je peux comprendre, en fait, mais moi je trouve que c'est que j'avais paramétré la touche Z pour le pilote automatique du C2. Enfin, moi j'aime bien voler, activer le switch, mais j'aime bien aussi voler. Et là, sans faire exprès, je voulais appuyer sur la touche S pour changer. Je suis comme toi, François. Et j'ai touché sur la touche Z et ça a avec une 80% pour les petits coucous, mais un peu d'Airbus, c'est toujours sympathique aussi. Ouais, bah Jean-François, moi je suis comme toi, voilà. Ouais, moi c'est pareil, tu vois, là je suis en Airbus parce que j'ai envie de changer un peu. Et puis ça fait longtemps que j'ai pas été contrôlé, c'est toujours moi qui contrôle en ce moment. Oui, j'ai vu que t'étais souvent à la manœuvre.
attention, hein, je comprends très bien. Ouais, c'est ça, bah, c'est, je pense que c'est ça qui s'est passé, Marc. De voler j'ai en... dû toucher la touche Z. Je l'admets, je le comprends, il n'y a aucun problème là-dessus. Le Simus est fait pour ça aussi, il n'y a aucun problème. Mais moi, non. En fait, ce qui est bien avec ces avions-là, Bernard, c'est la, toute la préparation du vol. Oui, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Pas envie de me prendre la tête, voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête avec avec les autres. Bah écoute, bon, on fait écoute, plus pour nous. Ouais, moi, Bernard, je veux te dire, je suis un ancien d'Air France et. Et du 320 en particulier que je connais bien, donc c'est vrai que c'est pour moi c'est sympa de faire des vols en, en 320, ça me rappelle mon ancien temps quoi. Non mais il n'y a aucun problème, je comprends bien tout ça et je l'entends bien. Et j'avoue que je préfère voler en petit coucou et parce que c'est plus du pilotage que le 320 quoi. Là je suis en train de me péter les couilles à tenir le manche depuis presque une heure là. Avec les pneus de rafale devant, parce que le C182 c'est une vraie coquille de noix quoi. Mais je préfère ça que de prendre ton travail, mais c'est mon truc hein. De toute façon il en faut pour tout le monde, hein. C'est ça qu'il faut se dire. Mais tout à fait, mais tout à fait. Moi, j'ai mes hélicos et ça fonctionne très très bien maintenant. Ouais, non plus, je voudrais regarder avec Actisky qui a même posté tout ça là pour que ce problème, regarder si ce problème a déjà été posé ailleurs. Ils sont assez réactifs Actisky quand tu leur poses un problème. Ouais, mais il faut faire un ticket chez eux, enfin c'est un gros bordel. Hein. Ah ouais, c'est pas un gros bordel de faire un ticket. De toute façon, on a trouvé, a priori, ça serait pas ça. Ah non, là, c'est clairement, c'est le GTN, hein. Là, il n'y a plus photo. Hein. Après tous les tests que j'ai fait, les derniers vols que j'ai fait, on a cerné le problème, c'est cool. Chris, quand il te donne un guidage radar, il te donne aussi le guidage vertical, on est bien d'accord, le contrôleur. Oui, oui. Je ne change pas d'altitude tant qu'il n'en parle pas. Non, non, c'est ça. Ok. Sauf s'il te dit... Bon, non, de toute façon, il t'aura pas dit guidage radar. Sauf si t'es en AirNav et qu'il te dit que... En fait, je suis en AirNav et il m'a dit ça sera un guidage radar pour la 06. Ah bah non, si t'es en AirNav... Pour suivre sur votre cap actuel. Ah non, si t'es en AirNav, tu lui dis qu'il a pas le droit de te toucher ta star. Non, je lui dis pas. Je lui dis ok, donc ça va bien, mais... Ah ouais non, en AirNav il peut pas te dévier de ta route. Et tu fais comme vol, Jeff ? Ah non, c'est revenu. Qu'est-ce que tu fais comme vol, Jeff ? Nantes, Orly. Ok. Oh, moi, je vais faire le contraire, alors. Oh, il a fallu qu'il me copie ça, bien sûr. Oh là 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 là. Ah, elle est belle, celle-là aussi, ouais. Bon, on va peut-être rentrer notre procédure d'arrivée. Où est-ce qu'on est là sur
Oh, on a juste de passer les côtes, on a le temps encore. Si, tout est bien allumé là. Par contre, les couleurs automnales au Bahamas, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qui fait la lumière là, d'ailleurs au niveau des moteurs? Et théoriquement je peux mettre le logo aussi. Normalement lié. Ah oui, normalement il y a le logo. C'est pas grave. Non, il doit plus être là, vient de... S'il te répond pas... Non, il n'est plus là. Il y a Windsock que j'ai jamais vu. Lurk, ça doit être un bot. Command Root, c'est un bot. Angel of Flight, c'est un bot. Alfred Judoku, c'est un bot. Donc il n'y a que Windsock. Et y'a Liamet. Salut Bruno. Ouais, ouais, j'ai vu qu'il était parti, Marc. Rien d'autre, hein. C'est triste, hein. Rien d'autre. Rien d'autre. Je me fais des attaques avec ça, tu vas voir. C'est diabolique, hein. Je veux bien un petit verre d'eau, s'il te plaît, ma chérie d'amour. Je me mettrais pas à genoux, mais presque. Heureusement qu'il la met dedans. Non, j'ai pas fait ça. Alors, qu'on regarde combien de carburant il va nous rester. Il nous restera 4 tonnes 7 de carburant. Il y a du monde ce soir, hein, c'est sympa. Hein. Ouais, j'ai vu qu'il y a du monde à l'arrivée sur Paris. Ah ouais, ça bouge là. Hein. J'ai encore un peu de temps avant d'arriver. Ah ouais. Merci. Ouais, du mal, ouais. Pardon. Je vais aller voir un peu ce qu'il y a sur Twitch. Bon, ouais, messieurs, je vous souhaite de bon soir. Salut Bernard. Salut Bernard. Salut Bernard. Non, non, rien de spécial, Marc. Ah, tu veux y connecter. ZGZ, Y, bravo Charlie Sierra.
Il est sur FS 2020. Non, non, Marc, j'avais pas prononcé ton nom. Bon, on ne devra pas tarder vers les Alpes. Et le Mont Blanc. Moi, est-ce que ça soit pas fonctionnel ça? T'es posé, Jeff, déjà? Non. Non, je suis en finale. Vas-y, après go, B200 alors. Carrément. Je viens d'avoir peur parce que le train voulait pas sortir, j'allais pas assez, j'allais trop vite. Ouais, il est très très compliqué à faire ralentir. Je crois qu'Evan il voulait être là tout à l'heure.
pas grand monde ce soir, dis donc. Ça va venir, ça va venir. Ok Marc, à tout à l'heure. Pardon. Tu voles où, hein, François? Moi je vais faire un Orly Nantes. Je vais essayer de partir maintenant, si c'est pas trop tard. Un peu fatigué, dis donc. Hein. C'est attaché Romain. J'ai entendu un bruit bizarre. Bon, on va préparer l'arrivée. ILS 26 gauche.
faire via. C'était celle d'après. Ok, 5 Yankees. Voilà. Parfait. On va déjà se mettre sur la fréquence du contrôleur. Comme ça, on va pouvoir mettre l'approche. LFPG approche en 25 820. On va y mettre nickel, nickel. On devrait pas tarder à rentrer dans la zone de contrôle de Paris. Je peux te faire un petit hop, on va passer ici. Tac, voilà, tu vois, je suis ici et la zone de Paris est contrôlée. Donc j'aurai le centre de Paris, l'approche de Gaulle et la tour de Gaulle. Ça c'est cool. Et accessoirement on a eu la tour de d'Ajaccio. À l'approche d'Ajaccio au départ. Donc c'est plutôt cool là. Donc là on est à peu près à 150 nautiques du top of descente. Et Marc va pas tarder à revenir, il est parti sortir El Toto. Airfan 645, when ready, descend by level 150, level by Panox. Excusez-moi, c'était pour les francs 645. Francis 145, descendez niveau 150, stable à Panox. On est 150 et on est stable à Panox sur Francis 145. Ah, ok. Ok, ok, voilà. Bon, le contrôleur au départ était vraiment pas bon par contre. Phraseologie n'était pas bonne du tout, la clairance, j'en parle pas. Et ça fait un bout de temps qu'il contrôle, c'est ça qui est...
625 pour Paris, pour savoir, vous voyez une arrivée plus de combien, s'il vous plaît? Arrivée 06. On va sur De Gaulle, monsieur. Et 06, vous comprenez? Ah, pardon, non, pardon, 26 gauche, excusez-moi, 26 gauche. La 26 gauche, merci, et excusez-moi, je vais pas compris. La transition, s'il vous plaît. Ah, normalement, c'est l'approche qui vous la donne, mais comme je suis généreux ce soir, ce sera la... Hop, la Panox 4 Whisky. C'est super gentil. Alors, Panox 4 Whisky, la 26 gauche, et merci beaucoup, monsieur, pour la 645. Ah, je vais pas le casser, par contre, désolé. Comment, j'ai pas compris pour 645? Non, rien. Et la France 545 contactée, approche, De Gaulle approche, 182, au revoir. Contacte l'approche, merci du contrôle et à la prochaine, bye bye, 645. Paris Centre, bonsoir monsieur humanitaire 13 revenu en provenance d'Ajaccio, on est stable au niveau 320, avec vous. Humanitaire 1302. Identifié. Nous sommes identifiés pour 1302. On va avoir du contrôle, ça va être mieux. Humanitaire 1302, autorisé arrivé. Pibac, whisky. Autorisé pour une Pibac Whisky pour Humanitaire 1302, merci beaucoup. Elle fait des gâteaux comme moi, elle dit donc. As-tu regardé le match de l'équipe de France ce matin, Bruno? Et ben voilà, posé pas cassé, impeccable, je me suis régalé. Parfait. Et je vais dans, de suite faire comme toi, de ce pas changer mes réglages parce que j'ai fini à 10 FPS. Ouais, alors moi ce que j'ai fait, j'ai mis. Donc j'ai pas touché la partie haute, j'ai touché juste la partie basse. J'ai mis en normal la première, je crois.
juste. Ouais, j'ai même descendu la végétation et les buildings. J'ai juste laissé dans la première. Ouais, la. La complexité scénarii, j'ai mis sur. J'ai mis sur normal. Et les bâtiments et les armes, j'ai mis sur éparses. Comme ça, j'ai des bâtiments normaux au niveau de, des aéroports. Et après, au niveau des villes, j'ai moins, ouais. J'ai moins d'autogènes et moins d'armes. Tu arrives pour le crash. Merci Marc, ça fait plaisir. Bah, t'es à bord, donc on se crashera tous les deux. Alors, quand on regarde au niveau du carburant... Non, c'est pas tout. Pas de parachute pour toi, Marc. L'intention, call sign on VP. Une fois, c'est moi qui me fais contrôler, ça fait plaisir. Tu vas dans où déjà? Remarque, faut qu'on se programme un petit vol en Airbus tous les deux. Oh, tu ton ordi, t'as pas peur toi? Hmm? Merci. Bon, on est à peu près 75 nautiques du top of descent. Même se faire aussi des petits cockpits partagés si ça t'intéresse. Le copilote si tu veux. Arrête toi. Ça va, c'est bon les bonbons? Madame qui se moque de moi parce que j'ai dit que je serai le copilote de Marc. Oh oui, je serai ton copilote, comme dit. Ah là 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 là. Mais quand on fera du vol en copilotage, Marc, je te ferai des bisous aussi. Ah, oh, mais c'est un chien avec le contrôleur. La station, tu regardes, Je vais peut-être rentrer. Oh, j'ai le temps encore. Oh non, je vais rentrer tout de suite. Allez, oui, contrôle des fonds. LFPG, perf. Alors, le QNH, ce sera de 10-21. Tu ne manges pas de ce pain-là, mais t'as été dans la marine nationale, Marc, alors ne dis pas ça.
La température sera de 9 degrés. Le vent du 320 pour 7,9. Un liamètre, c'est pas du pain. Ah là 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 là. Voilà, c'est parfait. Do you know what frequency is, air traffic controller? That depends. Which one are you looking for? It's my first time doing this, so I don't know. Si t'es disponible demain matin, Marc, j'ai quelques petits trucs à te demander pour faire un nouvel overlay de contrôle aérien. I'm in the London Heathrow Airport and Non, demain je suis chez ma sœur. Eh ben, y a pas de problème, Marc. On fera ça plus tard. Tu as de la I'm in London, no, I'm in Frankfurt, Airport. Okay, L'infiltre à eau sur la distribution d'eau, Marc? Moins de 40 nautiques du top of descente. Allez, contrôle de France 1974, niveau de vol 17 000 pieds, avec niveau de vol vous, 17 000 pieds, oh là 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 là. 28-10. Tire, simulateur. France 1974, bonsoir.
Est-ce que vous avez un FMC ou un moyen de suivre les procédures d'arrivée? Malheureusement, non, j'ai pas de FMC. D'accord, donc au CAF pour vous, c'est ça? Exactement, merci beaucoup. Ok, pas de soucis. Alors, Air France 1974, viré à Droit, au cap 060. Et maintenez niveau 200 pour l'instant. Oh la vache, il est en train de lire le journal, mon mec. J'avais et on cap 60 et maintenant, donc, nous arrivons au niveau de vol dans 20 minutes, bientôt. La musique, mon second... Non, la musique est mon second amour, c'est ça? Ah là là, qu'est-ce qu'il faut pas lire? Humanitaire 1302, descendez niveau 100, stable à Molba. Nous, c'est descendons niveau 100, stable à Molba pour Humanitaire 1302. Descent preparation checklist. Anti-ice. Off. Landing information. Received. Altimeter. Standard. Landing elevation. Checked. Barrow radio. Checked. TCAS. TCAS, ça c'est pour moi. Set. Checklist complete. Allez, on descend. Initiating descent. Alors, il m'a dit sur Molba. FMA check. Je sais pas ce point-là, moi. Paris Centre Humanitaire 1302, on a bien rentré une Pibat 8 Whisky sur le FMC, par contre on n'a pas le point que vous nous avez donné pour être stable au niveau 100. C'est une erreur, c'est stable sur Okipa, enfin Molba, excusez-moi. Très bien, stable sur Okipa niveau 100, c'est bien noté pour Humanitaire 1302. Il faut que je mette. Je crois qu'il faut pas mettre les FL, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça. Ivy 87 Lima Alpha, bien le bonsoir. Identifié radar, c'est direct Boxa. Direct Boxa, selon information. Paris Center K, when it's due to the Vermont flight level 340 in front of Vermont. Radar 2, Juliet, November, very good evening, squawk 1000. Squawk 1000, when it's due to the November. Bon, mon ami, je vais t'essayer. Voilà, faut que je vais te mettre en contact. Je suis direct Loutax, Lima, Uniform, Tango, Alpha. Bah, demain, ouais, demain, je ferai probablement l'aéropostale. D'accord. Yep, we're saving direct Loutax. One and two, c'est votre maman. Ok, mon poulet. Et ben, à la prochaine alors. Salut, Jeff. La station, call sign, please.
Mon poulet, ah t'es jaloux Marc. Ilim Alpha, non, pas pour le moment. Bon, je sais plus comment on fait pour changer d'altitude. Je pensais que c'était ça, moi. Paris Control, bonsoir monsieur Tarmac 014 avec vous, on est vers le 190. Non, il veut pas. Tarmac 014, bonsoir, montez niveau 290. Si j'ai mis. Nous montons 290, Tarmac 014. Non, il veut pas. Est-ce que là je peux le mettre? Ah ouais, là ça a pris. Non, ça a pas voulu, ça l'a pas mis. On verra bien, je vais le faire tenir. Voilà, il descend comme un taré là. Comment ça se fait qu'il a chuté comme ça? C'est bizarre parce que là je l'ai bien mis. Ah oui, j'ai 73 nœuds de vent là. Tu m'étonnes qu'il fait le yo-yo. Ah ouais, il a rattrapé son plan, mais je pense que c'est les rafales de vent. Parce que, tu vois, tout à l'heure, je regardais, j'avais 73 nœuds de vent de travers avant. Ouais, travers avant dans mes 10 heures à peu près. Air France 1974, descendez niveau 150. Descendez niveau 150, Air France 1974. Air France 1974, contactez De Gaulle approche, 125 décimales 82 Europe. 125-82, merci beaucoup, au revoir. Le maniteur 0450 pour monter niveau 590. Et maniteur 0450, bien le bonsoir, montez niveau 310. Bonsoir, 910, maniteur 0450. Ouais, après, bon, là, c'est... j'ai pas réussi à mettre niveau 100 là sur Okipa. Ah, peut-être que maintenant il va le prendre.
Non, il va pas. Hein. Je me rappelle plus comment on fait ça. Je le ferai descendre à la main de façon. Paris contrôle, le tarmac 014. Est-il possible de faire un direct sur Didac? Tarmac 014, mais oui, tout à fait possible. À gauche, direct Didac. Autorisé direct Didac, tarmac 014. On va l'aider. Et ça, je contrôle ici 87 les Malfa, sous-lune à l'arrivée pour nous. Ici 87 les Malfa, autorisé arrivé Bopsa 6 Echo. Bopsa 6 Echo pour ici 87 les Malfa. Humanitaire 1302, contactez De Gaulle approche 125 décimal 42, au revoir. Avec De Gaulle approche sur 125 décimal 82, merci pour ton service. Bonne soirée, humanitaire 1302. Allez, tac, et on va mettre la tour tout de suite. 119-250. De Gaulle approche, bonsoir monsieur humanitaire 1302, lâché par le centre, on descend pour être stable au niveau 100 sur Okipa. Avec vous. Humanitaire 1302, bonjour, descendez au niveau 100, une transition Okipa 5, 8 pieds, approchez l'est de piste 26 gauche. C'est bien de noter pour la transition, on descend au niveau 100 pour une 26 gauche. Salut Joël. Salut Christophe. Air France 645, autorisé approche ILS, piste 26 gauche. Autorisé approche ILS, 26 gauche, et désolé pour d'avoir pas compris le cas tout à l'heure. Air France 1974, volé au cap 060 Air France 1974. Allez, on va faire jouer un petit peu en semi-automatique, on va dire. Ça descend bien hein, dès que tu arrives sur De Gaulle. Bon, si ça reste comme ça, c'est pas mal.
au parking pour quitter la fréquence. Je veux que ce soit en haut. Et la fois que c'est en haut, vous pouvez quitter la fréquence. Merci pour le petit jour parisien. À bientôt. Merci à vous. Bonne soirée et à bientôt. Pardon. Je peux pas aller plus vite que la musique. Vous êtes allé sur l'INF 26 Golf pour Air France. Air France 645, contactez la tour au centre. Ouais, il y a plus pour longtemps, il y a combien? Ça me donne 60 nautiques à peu près. 119 décimal 25, merci pour le contrôle, à la prochaine, bye bye. Voilà, il y en a plus pour longtemps, ouais. Bon, je sais pas, je regarde en même temps un peu l'écran de mon stream, ça me dit 58 nautiques. En comptant la procédure d'arrivée. Ouais, bah on fait comme on peut, Marc, hein. Chacun a ses obligations, malheureusement. Ah, centrale nucléaire. On a mis le pied d'arriver au niveau son. Alors, je suis content parce que tout à l'heure je l'ai fait en full automatique et là du coup j'ai plus ou moins réglé et je vais suivre les informations du contrôleur, c'est cool. Ça change pour une fois, c'est pas moi qui contrôle. C'est bien aussi. Ah bah ça m'est arrivé. Ah c'est vrai que. Medium. Je sais pas pourquoi il veut l'autobreak maintenant lui. C'est dingue ça. Ouais, il y a une fois, j'ai eu une insomnie il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un mois. Et j'ai passé quasiment toute la nuit debout. J'ai dû me coucher à 6h du mat. Enfin, par contre, j'étais bien déglingué le lendemain au soir. On est stable au niveau 100 pour humanitaire 1302. Humanitaire 1302, exact. On prend au niveau 70. On descend au niveau 070 pour humanitaire 1302. Ouais, les lumières j'ai mis, hein, c'est bien ça. Hein. Lights on. On. Cabin signs. Set. Ouais, tu vois, le bouton LS, je connaissais pas avec l'ancienne version. Parce que j'ai envie de le faire en semi-automatique. J'ai envie de gérer un peu aussi l'avion. C'est juste pour ça. Ouais, mais il était en automatique, je crois, non? Ou c'est depuis que je suis passé en checklist comme ça, alors? Ça doit être ça. Excusez-moi, je baille.
Toi là, je sais que je te vais au niveau 7000 à peu près sur 1000. Sur le point PG 522. Niveau 070. J'ai dit niveau 7000. Sérieux? C'est l'autre qui m'a perturbé avec son niveau 12000 pieds tout à l'heure. Je suis navré. J'en dis des conneries ce soir. Mon Dieu. Je suis navré, Marc. Allez, on va réduire un peu. La France 1974, tournée à droite au cap unité 00. Et qu'est-ce que veut dire LS, Marc, du coup? Humanité 13-02, volé au cap 3-2-0 et descendez 4000 pieds, QNH 10-22. A droite au 3-2-0, on descend 4000 pieds, QNH humanitaire 13-02. De Gaulle approche, rebonsoir, Air France 645, on a remis les gaz sur De Gaulle, on est à 4000 pieds. Donc Air France 645, maintenez... Landing System, d'accord, merci beaucoup Marc. FD, c'est Flight Director, ça je sais. Et tournez à gauche au cap unité, unité 0. À gauche, unité, unité 0, on monte à 5000, QNH 10-22 pour la France 645. La France 1974, descendez 4000 pieds, QNH 10-22. Descendons 4000 pieds, QNH à 10-02 à France 1974. 10-22. Pardon, QNH 10-22. La vitesse, c'est bon pour vous? La France est 1974. Oui, pour l'instant, ça c'est des bonnes vitesses libres. Je vous ferai ralentir peut-être tout à l'heure. Ah, je suis content de me faire contrôler un peu. Il va falloir que je prenne aussi mon courage demain pour aller voler un peu en Angleterre. 1000. Transition altitude. Nous approchons pour la France 645, on rejoint 26. La France 645 affirme prévoyer une approche LS de 26 gauche. On prévoit une approche LS de 26 gauche pour la France 645. Il prend pas moins.
reference, Captain. 7 barreaux reference, mais je l'ai fait déjà. Ah ouais, c'est peut-être là que je me suis planté. Il est 4-0-2, tournez à gauche, cap 2-9-0, autorisé approche ILS, piste 20, gauche. À gauche, 2-9-0, autorisé approche ILS, piste 26, gauche, humanitaire 13-0-2. Alors, clear. Approach checklist. Auto French, pour quand même. Decal status. Checked. Sliding tables. Stowed. Stowed. L'altitude de décision, mais pourtant je l'avais réglé. Checked. Ah non, c'est ça. Nap autant accuracy. Pour moi. Checked. Barrel reference. Ouais, mais ça je peux pas la mettre vu qu'il m'a. La France 645, tourne à gauche au 4-0-0. Alors, on peut mettre déjà affiché, 0, ça, la marque. 0 pour Air France 45. 7 barrow reference, Captain. On a mis 7 barrow reference. Donc, c'est bien là? Pourquoi il met out of range? Du coup, on va faire ça. Ça. Cabin signs. Set barrel reference, Captain. Bah, continue, hein. Oh putain, j'ai pas regardé sur les cartes aussi. Est-ce que tu sais me dire combien c'est du coup? Set barrel reference. Il y a 74. Tournez à gauche au cap. Alors, passe ton barreau sur radio à côté du QNH. 4-3-0-0, c'est bien ça, Air France 1974. Exterior lights. C'est correct, 3-0-0. Exterior lights, checklist complete. Light slope alive. Flight attendants, prepare for landing. Sous le QNH. Ici, tu veux dire? Ah, c'est 10-21. Putain, mais quel con. Oh là 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 là. C'est moi qui me suis planté. Ouais, ça y est, je viens de comprendre. Flaps 1. Speed check, flaps 1. Eagle approach, good evening, it's XS320, descending to flight level 130, inbounding Mupar. Victor 320, bonjour, descend flight level 120. Localizer captured. Ouais, mais il n'y a pas de problème. 02, contactez la tour au 109 décimales 25 en bas. Avec la tour, merci humanitaire 1302, merci Joël, bonne soirée. Light slope captured. Allez. Merde, putain. La France 1974 autorisée approche ILS. De Gaulle Tour humanitaire 1302, on a établi ILS piste 26 à gauche, lâché par l'approche. Humanitaire
Manipère 1302, bonsoir monsieur. Piste 20, piste gauche, autorisé atterrissage. Le vent est à 290 degrés, 3 nœuds. Piste 26 gauche, les derniers vents sont copiés, autorisé atterrissage. Humanitaire 1302. Speed check, flaps 2. Speed check, flaps 3. Gear down. Speed check, flaps 4. Il y a du vent encore, hein. Qu'est-ce qu'il me dit encore, lui? Pourtant, on est bon, là. Si je regarde au niveau des frame rate, si j'ai pris, si je prends cher, oh, ça descend encore. Hein. Bon, mieux que tout à l'heure, mais après il y a peut-être les lumières. Je sais pas si ça joue énormément. Je claque pas pour vous, c'est landing bon. Checklist. C'est cool alors. Landing gear. Down and locked. Three greens. Ground spoilers. Ah, ground spoilers. Set. Auto brakes. Medium. Oh. Medium. Exterior lights. On. Go around altitude. Checked. Landing memo. Checked. No blue. Checklist complete. Bah tant mieux, hein, si je lag pas, j'ai eu quelques petits freezes comme tout à l'heure, mais beaucoup moins. Sur le contrôle, Paris Charles de Gaulle, Air France 1974 avec vous, établi sur l'ILS 26 gauche. Air France 1974, bonsoir monsieur. Tant mieux Marc. Continuez l'approche en A78. En finale, vous êtes numéro 2. Continuons l'approche sur la 26 gauche. Nous sommes numéro 2 en France 1974. Autopilot off. Allez. Espérons qu'il soit plus joli que tout à l'heure. 1000. Tiens, il y a un freeze là. Je sais pas si tu vas le percevoir dans le stream. Ouais, c'est quand même beaucoup plus fluide que tout à l'heure. Lufthansa Liner 5 November, taxi to Tango 11, holding point of one way. Right. Il y a Romeo, oui, il faut départir. Minimum 200. Ah, j'en ai un fichier. After engine start procedure. After engine start 30.
Retard 10, 5. Ground spoilers. Reverse green. Bon, il va falloir que j'apprenne à atterrir avec un Boeing, 70. Un Airbus. Mais trop long, hein. Je suis complètement d'accord. Auto brakes off. Ouais, j'ai vu que c'était écrit en noir. Moins 461. Pop, 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 pop. After landing checklist. Exterior lights. Alors, exterior light. Il faut que je coupe. Exterior lights. Celui-là. Et celui-là, je crois. Exterior lights. Et strobe. Non. Exterior lights. Oh putain, ça va me saouler ça. Exterior lights. Non, ça je le laisse. Exterior lights. Oh putain, ça me gaffe ça. Ouais, mais là, avec le lag que j'avais à la fin, c'était pas possible de gérer. Humanitaire 1302, fermez piste dégagée. La piste est dégagée, désolé pour Humanitaire 1302. Faut couper les landings. Exterior lights. 14, piste 26 gauche, autorisé atterrissage. Exterior lights. Vent 280 degrés, 3 nœuds. Exterior lights. Autorisé atterrissage, piste 26 gauche, Air France 1914. Humanitaire 1302, bienvenue à Riz. Traverser la piste 26 droite via Sierra 3. Exterior on traverse la 26 droite via Sierra 3 pour Humanitaire 1302. Exterior lights. Oh putain, mais allume le taxi. Mais le taxi il est où allumé là? Putain, qu'est-ce que. Ah, lights. Elle me pète les couilles celle-là. Et Humanitaire 1302, après la 26 de droite, roulée au terminal 2 Alpha via Romeo et Tango. Set off. Ground spoilers. Set off. Engine mode selector. On roule au terminal 2 Alpha via Romeo et Tango Alpha 2 pour Humanitaire 1302. Ticas. Set. Brake temperature. Checked. APU. Set on. Weather radar. Power supply. Merci Marc. Wind shear. Both off. Checklist complete. De Gaulle, ça me fait un peu laguer à mort. Hein. Les FPS, c'était bon à l'arrivée. Par contre, j'ai eu quelques gros lags juste avant de me poser. Mais sinon, ouais, c'était mieux en termes de FPS. Après les lumières, je pense que ça joue aussi beaucoup de nuit. Engine start procedure. Dans S4, ok Marc, bah je ferai ça avec toi. After engine start procedure,
par l'opérationnel. Alors, après il m'a dit Roméo. After engine start procedure. Oh, no, that's my fire. No, after engine start procedure. Lufthansa 905 November, go ahead. Start procedure. Lufthansa 905 November, fully ready to pass the radio. Start procedure. Lufthansa 95 November from Romeo 1, line up runway 265, different takeoff, wind 290 degrees, Pinot. Tu me demandes si je me suis pas planté. Il me semble que je me suis planté là. Je me suis planté, il fallait aller à la... Donc, le tour humanitaire 13h02, on s'est trompé sur le taxiway. Pouvons-nous prendre directement à gauche et stationner sur le sur ce terminal là? Humanitaire 1302, procéder comme demandé. Merci, on poursuit et on rappelle pour quitter Humanitaire 1302. Air France 1974, bienvenue à Paris, attendez au point d'attente à 3. Mais j'ai merci beaucoup, attendons donc. J'ai fait ce commandant en plus. Qui est lancé. J'ai pris Sierra 3, il m'a dit Romeo et Tango. Tango Alpha 2. Bon, c'est pas grave, on va rester là. Hein. Ah non, c'était. Ah, si, je devais être bien. Si, si, je suis bien en fait. Air France 1974, traversez piste 26 droite. Traversons piste 26 droite, Air France 1974. Lufthansa 905 November, contact De Gaulle approach on 125, decimal 8. Tiens, 777 ça? France 1974, roulez au terminal 2 Alpha via Romeo et Tango Alpha 2, rappelez-vous qu'il y a la semaine. And the parking checklist. Roulez au terminal 2 hein, via Romeo, Tango Alpha 2, Air France 1974. Alors là, il faut que je prenne ça. Lufthansa 905 November, contact. Shocks are set. Parking brakes released. Engine master. Both off. Cabin signs. Both set off. Off. Exterior lights. Exterior set lights. Off. Anti-ice. Off. Fuel pumps. Set off. ATC. Standby. Checklist complete.
humanitaire 1302. Je ferme, je pense que le parking, vous pouvez quitter la fréquence. Air France 1974, je dois fermer. Il n'y a pas d'autre trafic au moment au sol, mais passer sur Unicom 122.800. Bonne fin de soirée. Merci Philippe pour le service, humanitaire 1302, au revoir. Merci beaucoup pour votre service. Bonne soirée, au revoir. Air France 1974. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu ce petit vol. Bon, l'arrivée, hein, ça demande beaucoup de ressources d'arriver sur De Gaulle. Les autres avions sur cette fréquence, je ferme passer sur Unicom 122.800. Wall Airplane, on can see, I'm calling now, monitor Unicom 1. Allez, on déconnecte. Je vous remercie tous d'être passés. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, bonne nuit Marc, et on se voit. J'ai quelques lacunes, je l'avoue, hein. Je vole très très peu avec ces avions. Et ouais, il faut que je veille pour la météo, mais bon, après venez sur De Gaulle. Je viens pour là parce que, mais sinon c'est très très peu que je viens sur cet aéroport. Je pense que sur d'autres aéroports, j'aurais beaucoup moins de problèmes de FPS et de lag. Voilà messieurs, je vous dis bonne soirée, passez une bonne nuit, et on se retrouve une prochaine fois, c'était Humanitaire 1302, salut tout le monde!